Voilà 17 ans maintenant que je travaille à IKEM. Je suis maître de chais, donc responsable de l'élaboration des vins. On a a priori toujours utilisé le liège à IKEM pour boucher nos vins. Le liège revêt une importance toute particulière puisque c'est quand même l'obturateur final de nos bouteilles. Le client lui-même a affaire au bouchon de liège lorsqu'il ouvre sa précieuse bouteille. Et vous comprenez bien que pour un vin de grande qualité comme IKEM, l'obturateur a une importance capitale. Et on ne tolère quasiment aucun défaut. Voilà la qualité que l'on cherche à avoir. Ce sont des bouchons extra fleurs, donc le top de la qualité visuelle. On demande également un bout miroir. C'est un bout sans aspérité du tout. Donc c'est le bout qui est en contact avec le vin. On lui demande d'être parfait, complètement lisse. Ensuite, on a des bouchons avec un diamètre un petit peu fort. Le classique, c'est diamètre 24, et nous, on demande du 24,5, toujours pour assurer une parfaite étanchéité et un bon bouchage de nos bouteilles. Très joli vin, très aromatique, beaucoup d'élégance dans ce millésime 2010. Il y a une image derrière nos grands crus qui est très importante, et pour l'instant, elle est très liée à l'utilisation encore du bouchon en liège. Je penserai à naturel d'abord, tradition et sans doute conservation, puisque pour nous c'est le meilleur obturateur pour assurer le très bon vieillissement de nos bouteilles.